toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. La soupe symbolise surtout et avant tout l'indépendance. C'est la soupe de l'indépendance. Le 1er janvier, c'est la fête d'Haïti. C'est la fête tout haïtien. Et j'ai l'honneur maintenant d'inviter le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Jean-Victor Guérémus, pour son discours de circonstance. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir au Mupana sous les regards attentifs des pères fondateurs de la nation haïtienne pour célébrer la fête de l'indépendance en partageant un plat national hautement symbolique. En effet, la soupe Joumou, soupe au Jiroumou en français, inscrite le 16 décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, en vertu de la Convention de 2003, constitue un élément indissociable de l'identité nationale haïtienne. Historiquement, sa dégustation symbolise l'émancipation et la liberté de l'esclave noir, à qui était interdit la consommation de ce mets réservé uniquement à son propriétaire durant la période coloniale. Le 1er janvier 1804, jour de la proclamation de l'indépendance nationale au Gonaïve, quelques semaines après la défaite par les indigènes de l'armée napoléonienne, la force militaire la plus redoutable de l'époque. Le peuple haïtien, pour célébrer sa victoire et son autodétermination, en a consommé abondamment. C'est Madame Claire Heureuse Bonheur, l'épouse de Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance d'Haïti, qui a elle-même décrété la soupe au Jiroumou, soupe nationale. Cette soupe que nous allons partager ensemble à l'aube de ce nouvel an demeure dans la mémoire collective du peuple haïtien comme l'ultime symbole de sa victoire sur le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme et les exclusions de toutes sortes. Elle est également pour nous porteuse
de valeurs universelles, de justice, de dignité humaine et de liberté. Mesdames, Messieurs, je suis fier de partager avec vous ce joyau de l'art culinaire haïtien. Une soupe traditionnelle haïtienne à base de giwomon, auxquels sont ajoutés, entre autres, des légumes, de la pomme de terre, de la viande, des pâtes et des épices. Je profite de cette heureuse occasion pour présenter aux chefs d'État et de gouvernement, au peuple et aux illustres dirigeants des différentes institutions que vous représentez en Haïti, ainsi qu'à chacun de vous et à chacun de vos familles, et au nom du Premier ministre, Son Excellence Ariel Henry, mes voeux chaleureux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité. Je vous dis bon appétit. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7.